Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un tirage un peu différent. Il va vous permettre d'apprendre, de comprendre, de savoir quelle est la nature des sentiments existants actuellement dans votre situation sentimentale. Alors, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas de petite amie, si vous n'êtes pas marié, si voilà, si vous êtes célibataire tout simplement, eh bien, cela peut être une piste pour vous dire, vous annoncer de quelle nature va être votre prochaine relation sentimentale. D'accord? Donc vous avez vu, j'ai disposé des tas de cartes. Voilà, ça c'est le 3. Le ici c'est le 2, enfin le 1, le 2, ici le 3 et ici le 4. Alors, ne vous familiarisez pas avec la signification initiale des cartes. Ce n'est pas le sujet. J'ai, si vous voulez, parlé à mes cartes juste avant. Et oui, c'est ça, je parle à mes cartes. Nous nous sommes bien mis d'accord. Chaque tas veut dire quelque chose. Et donc, vous qui allez choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2, ou le 3 ou le 4, eh bien, cela veut dire que vous êtes sur la même vibration. D'accord? Donc, prenez une grande respiration. Voilà, relaxez-vous. Et puis essayez de réfléchir, de penser une seconde à la relation sentimentale que vous vivez actuellement. De quelle nature sont les sentiments à l'intérieur de votre relation, présente ou future? Faites votre choix, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Si vous avez choisi le tas numéro 4, et oui, une fois n'est pas coutume, le tas numéro 4, vous avez choisi les coupes. Et les coupes vous disent que vous vivez un amour sincère. Et oui! C'est de l'amour au sein de votre relation sentimentale. C'est un amour sincère. Et si vous êtes célibataire, sachez que votre prochaine rencontre, votre prochaine liaison, elle sera sous l'auspice de l'amour. Amour sincère pour le 4. Je vais poser le 4 là, parce que ça veut dire que ça a été choisi. Pour ceux qui auraient ou auront choisi le groupe 3. Vous avez donc choisi les épées. On est d'accord? Donc le groupe 3, les épées. Il n'y a pas d'amour au sein de votre relation. J'allais rajouter, il y a même de la souffrance, mais vous me direz. Si vous avez choisi le tas numéro 2, alors là, c'est les deniers. Le tas numéro 2, c'est le denier. Et le tas de deniers nous dit que les sentiments à l'intérieur de votre relation, ce sont des sentiments, ils sont là, hein, ils sont présents. Mais ils sont teintés d'intérêt. Alors, je ne sais pas, c'est à vous de le dire, hein, quel intérêt à l'intérieur de votre relation sentimentale, mais ce n'est pas ce que j'appellerais de l'amour sincère, c'est-à-dire sans aucune connotation intéressée. On va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est le tas numéro 2. Enfin, pour ceux qui auraient choisi le tas numéro 1,
Je retourne. Peut-être avez-vous déjà deviné. C'est les bâtons. Et que nous disent les bâtons? Les bâtons nous disent si tu m'as choisi. Tu vis une relation sentimentale avec passion. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre relation sentimentale, il y a beaucoup de passion. Alors attention, la passion, il va falloir la transformer en amour sincère, d'accord? Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tirage, disons, un petit peu artistique. On va dire ça comme ça pour être gentil. Et eh bien, je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt.